Bonjour à tous. Pas mal. Ouais, je retrouve quand même un peu ce que j'avais déjà eu sur le classique Pousscut. Alors, je rallume un peu. Non pas parce que ça s'éteignait, mais parce qu'en fait, tous les brins en surface n'avaient pas été vraiment sous la flamme, mais là c'est bon. Hein. Alors, content de retrouver cette pipe, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisée. Armel, clin d'œil, j'aime bien. C'est doux, hein. Il y a un petit picotement quand on allume, mais sans plus, hein. C'est léger. Alors, quand même, je trouve que ça sent moins la vanille, ça sent moins l'arôme à froid que dans le classique Pousscut. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le même tabac, mais roulé, tout au moins conditionné différemment? Alors, sur un site, j'ai vu qu'apparemment il y a du Kentucky foncé, fumé. Et sur Tobacco Reviews, j'ai vu qu'il y a un petit peu de Burley, du Virginie. Voilà, bon, je l'ai fait un peu machinalement. Voilà, du coup, je vais prendre l'autre côté. Ça évite d'étouffer les cendres, hein, m'a dit Armel. Il y a soit du Kentucky et du Virginie, soit Virginie, un petit peu de Burley et Cavendish. Alors, c'est vrai que dans ce tabac, il n'y a pas beaucoup de parties foncées. Par contre, les cendres volent. Hein. Oula! Par contre, c'est sucré. Hein. C'est assez doux en bouche, je trouve. C'est assez doux, mais là, je le trouve pas vraiment aussi crémeux que dans les descriptions. Effectivement, la fumée, pas mal. Alors, à froid, c'est la première fois que je constate vraiment des fils aussi, des rubans aussi longs dans un tabac à pipe. J'avais déjà fumé un tabac comme ça, mais pas avec autant de, je dirais, je pense, de cohésion entre les brins, et il était un peu déjà, les brins étaient déjà bien détachés dans le dans l'échantillon que j'avais reçu. Mais lui, il est il est beau. Je trouve que c'est un joli tabac avec des jolis rubans. Alors, pour le moment, je trouve que c'est un tabac assez neutre, mais qui globalement remporte beaucoup quand même le goût du tabac. D'ailleurs, un peu à l'instar de ce qu'il remporte aussi en odeur à froid. On n'a pas, je dirais, un arôme vanille très significatif dans ce tabac. Hein. J'ai goûté bien mieux en vanille hein, déjà. La fumée est un petit peu âpre, je trouve. Pour le moment, je trouve que l'ensemble manque de moelleux, manque de rondeur et de crémeux, contrairement à ce qu'il promet. Hein. Oui, c'est intéressant parce que j'ai l'impression quand même que la room note, pour peu qu'elle soit vraiment très discrète, paraît agréable.
vitesse de combustion rapide, cendre volante. Donc déjà là, ça va être des points en moins pour ce tabac pour moi. Sinon, il se fume facilement, hein. Bon, comme d'habitude, hein, cette pipe laquée chauffe. Mais là, pour le moment, pas trop, hein. J'ai connu bien pire avec cette pipe. Surtout dans mes débuts, dans les débuts de la chaîne, hein. La preuve que j'ai fait des progrès dans le tirage. Alors, oui, là j'ai des effluves agréables. Effectivement, les arômes s'affirment dans la fumée. Il commence à y avoir un peu plus de rondeur en bouche. Pas d'inconvénient au niveau de la bouche, de la gorge. Mais c'est pas non plus un modèle de grande douceur, hein. Je l'ai vu en force, je l'ai vu à 2 sur 5. Ouais. Alors, signale que vous pouvez trouver ce tabac en dehors de la France, mais en Europe, sous un nom différent. Ce n'est pas le Vanilla Roll Cake, mais le Classic Roll Cake. Ce sont des règles européennes. Mais c'est le même tabac, hein. Alors la fumée est assez généreuse, mais vraiment il y a un goût de tabac qui est prononcé quand même, je trouve. Pas mal prononcé. Alors, c'est une infusion toute bête à laquelle je n'ai pas à rajouter de sucre pour éviter trop d'interaction avec le tabac. Il se fume bien, hein, sinon la combustion est vraiment facile. Avec les filtres, ça aide bien à préserver de l'humidité, bien que déjà les brins ne soient pas vraiment humides. C'était assez frais, je ne l'ai pas dit, mais au toucher. Et avec une hygrométrie 50-50, hein, correcte quoi. Hein. Peut-être un petit peu plus humide que sèche, mais sans plus. Si, moi je trouve quand même qu'on a une odeur agréable. Hein. Je trouve qu'on sent mieux l'odeur quand on n'y prête pas attention et quand on n'inhale pas forcément, qu'on n'essaye pas tout au moins de sentir. Elle vient, elle passe et elle caresse un peu l'odorat comme ça. Et on en est plus ou moins surpris. Et ça, je trouve que c'est sympa. C'est comme pour une eau de toilette, un parfum. Alors, la rondeur, le moelleux qui manquait au début a tendance peut-être à s'accroître un peu. Là, par contre, moins d'âpreté au niveau de la fumée. C'est quand même assez doux. Hein. Bon. Ouais, c'est vrai que l'odeur à la fumée est agréable. Ça fume très bien. On n'a absolument pas besoin de tirer comme un dingue. La fumée se dégage bien et au-delà de 30-40 cm de la pipe, elle se dissipe, hein, même avant. C'est agréable, c'est pas mal du tout. Je crois même savoir quelle note je vais lui donner, déjà. Mais bon. Je pense que j'aurais peut-être une petite préférence pour le classique Louscut, hein, quand même. Parce qu'on est à peu près sur la même composition, hein. Si ce n'est peut-être un arôme vanille plus important sur le classique Louscut. Là, je vous dis ça, c'est subjectif. Hein. C'est pour ça que j'ai dit peut-être.
En bouche, c'est très neutre hein, quand même. En bouche, c'est neutre. Il n'y a pas d'arôme vanille en bouche. Et il y a surtout l'arôme des tabacs, quoi, qui composent le mélange. Peut-être le Virginie. Oui, parce que c'est doux. Je pense que ça va être le Virginie que je sens. Il met un peu de sucre. Alors c'est vrai que la minorité du beurlet dans le mélange n'évite pas quand même une certaine force. Donc le corps qu'on peut ressentir dans ce tabac, qui est quand même présent, parce que c'est loin d'être un tabac hyper doucereux. On a ce côté Virginie un peu sucré là. Mais dans la fumée, on va sentir effectivement que c'est bien un tabac aromatique. Et l'odeur s'apparente bien sûr à ce qu'on ressent habituellement lorsqu'on fume des aromatiques vanille. Peu ou prou, hein. Plutôt peu que prou d'ailleurs. Linéaire, stable en sensation en bouche, stable dans sa force ressentie en bouche, son intensité. Et l'intensité également donc de la fumée, je dirais même à la limite que ça descend un petit peu en agressivité, si tant est que je puisse employer ce terme. Ça descend un peu, oui, avec le fumage. Très belle fumée blanche, très belle. Bon, c'est vraiment un tabac agréable, globalement. Même si il y en a certains qui le surpassent. Hein. Le Black V de Planta, je pense qu'il le surpasse. Je l'ai refumé en off il n'y a pas longtemps, ce tabac, et c'est vrai qu'on a vraiment autre chose hein, quand même. On a une rondeur, on a une odeur vanille qui est très présente. Celui-là, c'est assez timide. Mais il est honorable. Hein. S'il n'est pas acheté à la poubelle, quoi, comme on dit. C'est vraiment pour dire qu'on peut s'essayer tranquillement. Et quelque part, il vaut le détour un petit peu hein, quand même. Alors évidemment, pour quelqu'un qui débute la pipe, il peut avoir un certain intérêt. Alors que je dois dire sans faire le difficile, hein. C'est vrai que pour moi qui ai déjà fumé des choses plus agréables, meilleures, j'apprécie mon fumage, c'est sûr, mais il m'apporte pas non plus de grandes sensations. Et de grandes découvertes. Hein. Mais je le trouve bien. Franchement, j'insiste là-dessus, j'apprécie mon fumage. J'en suis content. Ça fume vraiment bien. Hein. On a une fumée qui est épaisse. Je trouve assez, hein, quand même. Et... Vous voyez? Il n'apporte pas réellement beaucoup de surprises, ce tabac, en quelque sorte, au cours de son fumage, intrinsèquement. Il n'apporte pas vraiment d'inattendu. Hein. C'est toujours un peu pareil. Donc on l'a fumé une fois, on le connaît, quoi. C'est vrai que... Je pense que c'est le Virginie que je sens là, hein, parce qu'à mon avis, il est en majorité. Surtout, vu la couleur des brins, forcément, parce que c'est vraiment un mélange assez clair.
Moi, j'ai quand même l'impression que l'odeur laissée par ce tabac est sa plus grande qualité, hein. Parce qu'elle est agréable. Vraiment, on sent le tabac aromatique et on sent une odeur, effectivement, comment je pourrais dire, ben, sucrée gourmande, quoi, quelque part. C'est pas surprenant, c'est pas très flagrant, mais quand même, on a quelque chose de présent qui se remarque. Ouais, l'odeur est vraiment bien, hein. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, l'odeur est bien. Encore une fois, j'ai fumé aromatique vanille plus affirmée en vanille. Mais faut avouer quand même qu'il a cette qualité aromatique. Voilà, qu'il serait de mauvaise foi de dénier. Hein. Toujours en bouche, une force de tabac. Ça, c'est quand même une qualité aussi, je pense, à ce tabac. C'est que le goût du tabac en bouche, certes, croît avec le temps, dans le fumage, mais pas énormément. Donc je n'ai pas l'impression vraiment d'avoir la bouche envahie par le goût du tabac. Il est là, je le sens. Certes, de plus en plus, mais pas non plus de manière envahissante et excessive. Voilà. Là, quand même, cette croissance en intensité du goût qui est très, très progressive, hein, qui ne monte pas en flèche, mais qui est vraiment progressive. Alors, c'est pareil, je ne le dis pas tout le temps dans mes revues, hein. Mais si je ne ressens pas d'effet nicotinique, paraît-il que ce terme est impropre. Donc si je ne ressens pas réellement d'enivrement dû à un ressenti trop important de nicotine, c'est que le tabac il n'est pas nicotiné, hein. Ou très peu. Hein. Voilà, mon corps, en quelque sorte, réagit positivement à la quantité de nicotine qu'il peut y avoir dans le tabac. Hein. De toute façon, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je me suis remis à la pipe. C'est vrai que, somme toute, je fume assez rarement. Rarement en dehors de mes vidéos. Et je n'ai jamais de manque. Jamais, jamais, jamais. Ça reste tout en esprit de découverte, de dégustation. Et un petit peu aussi, bien sûr, d'esprit épicurien. Hein. Si je peux appeler ça épicurien. Hein. Parce que peut-être que Épicure, il faisait aussi un peu dans la luxure. Donc, j'exagère peut-être un peu. Jus. Jus au niveau de la lentille. Ça, non merci. Voilà. Je pense que c'est fini. En tout cas, je termine la pipe là. Là, le jus pour moi, c'est pareil. Hein. C'est vraiment. C'est prohibitoire. Je n'aime pas du tout ça. Ça vient alors que je ne l'ai pas désiré et que. C'est désagréable. Donc, difficile peut-être de mettre une note. Je savais tout à l'heure les notes que j'allais mettre, mais on va dire que je lui mettrai un 15. Voilà, sur l'échelle de mes goûts, je lui mettrai un 15. Et encore, je suis gentil, quoi. Bon, les cendres qui volent au début, ça baisse un peu la note.
Les cendres qui volent parfois, hein, j'en ai quand même encore là. Il y a pire, évidemment, et de loin. Et là, le jus de pipe de fin de fumage, non merci. Et peut-être aussi un peu par le fait que pour un tabac vanille, qui est dit dans son nom qu'il est vanille, je trouve que l'arôme vanille est trop timide, hein, quelque part. Hein. Voilà, j'ai connu mieux, donc vraiment, je trouve qu'il est trop timide. Cela dit, il est là, pas tant dans le tabac à froid, contrairement au classique loose cut, mais plus dans la room note. En bouche, il est nul. Et je lui laisse un petit peu, peut-être aussi, je lui enlève aussi un petit peu des points pour le fait qu'il soit peut-être trop linéaire, qu'il n'évolue pas. Il n'évolue pas dans les sensations. Et là, peut-être en fin de fumage, j'ai quand même un pic, enfin un pic, oui, en quelque sorte, il est remonté un petit peu en goût de tabac, hein, en bouche, hein, évidemment. Mais sinon, tabac qui se respecte, tabac correct, moi je le déteste pas, comme je l'ai dit. Je l'ai trouvé agréable, je l'ai trouvé plaisant. Donc si vous avez l'occasion de le trouver, par exemple pour ceux qui n'habitent pas très loin de l'Allemagne, bah, allez-y, hein, je pense qu'il devrait être vendu là-bas. Allez-y, allez-y. Voilà. Voilà, merci à tous. La prochaine fois, nous ferons, comme à l'accoutumée maintenant, vous le savez, un naturel. À bientôt. Bonne continuation, prenez soin de vous.